Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de mon Let's Play sur The Callisto Protocol. Je me trouve juste devant la nacelle qui va m'amener au SHU, un quartier de haute sécurité, si j'ai bien compris. Let's go. Se faire péter le fiac. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, hein, parce que je sais que en fin d'épisode, vous les oubliez. Voilà, là ça vient de commencer. Un petit clic et tu te poses devant la vidéo. Voilà, bah ça commence bien, hein. Allez hop. 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 Ouais, bah, le problème c'est que j'ai pas eu leur récompense. Ok, je suis trouver un moyen de reprocher le courant là-dedans. Ouais, je cherche. Alors, laissez-moi danser. Ouais, laissez-moi danser. Alors, laissez-moi un petit peu observer les alentours. Ouais, c'est dommage. Enfin, c'était rigolo de faire ça, mais quand tu tues un ennemi, il te laisse un objet en général. Moi, j'aurais pas dit non. J'aurais pas dit non de récupérer des balles ou, ou du soin ou je ne sais quoi. Ça fait rien de passer au milieu, non, ça non. Ah, bah ouais, mais attends, du coup, cette porte elle est verrouillée maintenant. Que je suis. Je suis con, moi, un peu, non? On va le laisser. Remettons-le. Voilà. Hein? Bah, quel est le concept alors? Si ça n'ouvre pas cette porte. Alors, peut-être qu'en enlevant les deux, ça va la déverrouiller, non? Ah, déjà? Mais non, MDR. Bon bah je vais enlever les deux. Ah bah non. Ah bah ça ne marche pas non plus. Bah alors comment je fais? Y a pas d'autre chemin, c'est pas possible. À part là-haut là je vois qu'il y a une espèce de nacelle. Non? Attends, attends. Ah oh, oh le génie. Fallait simplement regarder. Oh là là. Bon bah... Vous saurez, hein. Et du coup, voilà. Ah, voilà. Tu as commencé à attraper les ennemis. Non, c'est pas ça, m'en fous. Ils sont où les ennemis là? Ils sont là. Allez, salut yo. Il n'y a pas un autre? Attention hein. J'ai raté moi. Mais arrêtez de me dire inventaire plein. Ah, il est où? Quoi? Oh merde. Mais... Et toi, toi. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je les entends. Mais il est où? Il est où? Mais j'en entends, hein, j'ai juré. Hein. Moi, je suis pas fou. Hein. Il est là. Voilà. Trop bien ce truc. J'ai même pas besoin de dépenser que ce soit. Merci. Wow. Wow. Bah finalement on va remonter hein. On était bien là-haut. Oh t'es mal. T'es mal frérot. Yo. Faut que je t'aide à monter. Ah merde. Ah j'ai pu. Il est où là? Il est tombé. Ah, on est tombé tous les deux. C'est quoi ce délire? Hop.
là, quel carnage. Ça va, mec, con. Oh oh. Attends, il faut que je retrouve tous les cadavres là. Oh, il y en a encore. What the fuck. C'est pas ça que je veux. Bon, je crois qu'il y en a. Il y en a à côté de moi là, non? C'est bon. Cassé, je crois, les gars. Putain, le massacre! Mais c'était un peu trop facile, du coup, avec la stat. Mais tape-le, lui! Voilà. Lui. Ah ouais, mais on va pas taper grand-chose. C'est le carnage que j'ai fait. Je suis choqué. Ça a même fait. Ça fait même ramer le jeu, tellement. J'ai tué des gars. Est-ce que... Ah, oh, me dis pas... Ah, oh, bah déjà si, ouais. Ah non, c'est déverrouillé. J'allais dire, me dis pas que je dois aller rechercher les batteries là-haut. Ah. Hop. Allez, hop, ça dégage. Hop. Voilà, c'est bon. Là, j'ai pris aucun dégât, du coup. Hein. J'étais vraiment trop fort, là. C'est bon. Troisième épisode, je suis rodé. C'est verrouillé ici. On peut peut-être la déverrouiller après. Je fais le tour. J'analyse mon environnement. Je ne laisserai pas sur le comme ça. C'est pas ce bruit. J'y vais les contrôleurs SHU. J'arrive. C'est des cellules. Et ouais, mon gars. Impression UJC. Passer une journée unie. Bah du coup, j'ai rien. J'ai pas d'oseille. Il m'en avait mis une en fin d'épisode précédent, donc... Quand j'en ai besoin, il y en a pas. Bah voilà. What? Et pourquoi j'ai plus de balles, là? Pourquoi j'ai plus de... Enfin, de place, pardon. Ah mais, hey, dites-moi, on peut améliorer son truc, là, parce que franchement... Il y a des emplacements sur la droite. Comment je fais? Frérot, je vais pas claquer encore un injecteur, là. Convertisseur d'énergie. C'est de l'argent, hein, le convertisseur d'énergie. Wesh! Parce qu'en plus, je vais pas revenir ici après. Si. Ah, je vais peut-être reprendre la nacelle, en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de... Bah de toute façon c'est verrouillé donc il faut faire quelque chose. Faut redescendre. Ah faut peut-être descendre. Vas-y on descend. Ouais je pense que je reviendrai dans cette pièce. Ok. Je me suis cassé la gueule. Bah je repasse ici. Allez-vous, jeune homme? Ça se présente comment cette histoire? Non, attends, merde, j'ai pas sélectionné correctement. Voilà, tac, là, voilà. Il me voit ou il est aveugle? Ah non, il me voit maintenant. Hop! Ah, on tue deux. Hop! Ah! 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 Il est pas mort! What? Voilà. Ça dégage. Attends, du coup j'ai pas récupéré ceci, voilà. Oui, il est là. Bonjour monsieur. Ah, ça tient bien.
Voilà. Alors on fait comment maintenant, hein? On fait comment? Ah c'est bon, il est mort. Ah. Libérer le détenu. Lequel? Lui? Mais qui c'est le détenu? Je l'ai trouvé. Bah il est où? What? Impossible de sortir. Elias, t'es sûr que c'est le bon? Oh! Ah! Mais non! Oh la pute! Fais-moi sortir d'ici! Qu'est-ce que tu fous ici? Hey, c'est quoi ce bordel? Tu savais que c'était elle? C'est la personne qu'on cherche? Ouais ben, je savais juste qu'elle pouvait peut-être nous aider, ok? Et pourquoi je vous aiderais? Ça fait un bail que je suis ici. Je connais tout sur cet endroit et je sais comment rejoindre le hangar. Maintenant toi, tu peux appeler Navette et il peut nous faire sortir d'ici. On peut y arriver, on doit serrer les coudes, ok? Merci, mais je vais t'appeler la chance. Tu veux un petit conseil? Ne lui fais pas confiance. Il t'a pas tout dit. Allez. Verrouillage d'urgence. Oh! What? Elias! Putain! J'avais aucune idée de qui c'était! Danny Nakamura. Je croyais que tu connaissais cet endroit comme ta poche. Mais où? Ouais, bah je croyais aussi. Et maintenant? T'es piégé jusqu'à ce que la cellule s'arrime. Ce qui veut dire que je peux prendre le tram, mais pas toi. Ah, bien sûr. Évidemment. Non, ça va aller. Tu dois aller au traitement des déchets, ok? Contacte-moi quand il sera. Je suis là. Ah bah ouais. Et les déplacements. Ça sent la couille cette histoire là, non? Non, ça va. Atteindre la station de travaux. Oh, wow! Voilà. Coucou Chepanier mon ami. Et encore. Putain. Généreux. Mais attends, il y a la munition illimitée le type ou quoi là? Je viens d'en ramasser, il y en a encore. Ouais, mais on va où? On passe là au milieu. Ah, je t'ai vu. Tu sais que tu vas me sauter dessus là, non? Ah non. Ok, j'appelle le tram. Ah, ça va pas le faire. Tu vas devoir partir en te faufilant toutes tes fenêtres. Cherche une bouche d'aération de l'autre côté. Je l'avais pas vu. Oh pas mal. Oh man, le pénis géant. Il m'a bien eu encore. Bien joué, bien joué. Ça fait combien? 3, 1. Il m'a eu 3 fois.
Mm-hmm. Faut que je remonte dans les scores. Pénis 3, Jonathan 1. Quel sera le score à la fin de l'aventure, les gars? Pariez. C'est quoi ce bruit là? C'est qui se tape la tête, non? Va te faire. Alors là, ça c'est, je peux pas les esquiver ça, non? What? Fuck you! À la fin. Fuck you, tout simplement. Laissez-moi tranquille. Ah! Mais! Ah, je vais plus avoir de vie là. Mais. Oh! Oh non, 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 là, c'est trop là! Wesh là! Il est aussi grand que ça? Mais non! Mais c'est pas possible! C'est impossible. Wesh, le mec. Eh, c'est quoi ce sgeg, frère? Il fait 50 mètres de long. Frère, j'étais tout là-haut de l'escalier, il m'a eu. C'est pas possible, là, il y a 4-1. Non, non, non. Putain. Je l'ai vraiment pas vu celui-là en plus. Eh, t'as vu où il était caché? Il est dans le fond. Dans le coin du mur. Quoi. Limite, ça compte pas, quoi. Très serré, hein. Ok, bonjour. Putain. Va te faire foutre. Tu m'as laissé un objet? Non? Je sais même pas si tu m'as laissé un objet. Si, des munitions du Skunk Gun. Ok. Et là, c'est le vide. Du coup, je vais passer là. Non, je peux pas passer là. Est-ce que ça par hasard? Voilà. Attends, écoute-moi, Jacob. Cette accélération de l'autre côté te mènera à la section de traitement des déchets. Tu devras passer ce robot pour y arriver. Merde! Je pensais que tu m'avais pas vu! Ouais, maintenant je les attaque direct, j'en ai plus rien à foutre. Ah, y'a un robot. Y'a le robot qui va me considérer aussi comme une menace. Wow, c'est quoi ça, cette lumière là? Moi j'ai rien fait, monsieur le robot. Des armes à distance pour tirer sur la tête du robot. Ah, donc on peut le tuer. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Ah, il m'a pas vu. On peut aussi ne pas se faire repérer. Hein. C'est mieux, non? Ah, je crois qu'on va devoir se le faire. On va se le faire quand même. Je crois qu'on est obligé. Il y a plein de munitions. Ça ressemble à une arène de boss. Ah, ok. Je suis dans la merde, quoi. Vas-y, non, c'est bien ça. Ça nous fait. C'est bien les spawns. Je pense qu'ils sont cool. Ils sont un peu moins punitifs, du coup, mais. Je vais l'avoir en face de moi. Là, 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 là. Non. Ça va. Je le voyais plus dur que ça. Hein. Merde, inventaire plein, mais what the fuck, putain de merde.
Bah ouais, mais c'est quoi? C'est des crédits. Décodeur. Ah, mais il me faut ça. Je sais même pas c'est quoi, mais je me le faut. Qu'est-ce que je peux lâcher? Je vais pas lâcher des munitions quand même. Bah je vais lâcher ça. Hein. Décodeur. Bon, moi, je vous le dis, hein, s'il y a une amélioration de sac à dos, je sais pas s'il faut la trouver ou la payer. Tu veux quoi, toi? Callisto x9 seulement. Bon, du coup, j'ai fait une place dans l'inventaire, je crois. Toujours pas. Là, avec ça. Ouais, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Je commence à mieux maîtriser le jeu quand même. Dit-il en étant mort juste. Il y a même pas 5 minutes par le robot. Je suis arrivé au tram. Je parle des combats au corps à corps. La popée, ouais, ça c'est facile, ça, c'est bon, ça l'avait fait une fois. Je suis rodé, frère. Une dernière chose, il y a un piège là-dedans pour empêcher les détenus de s'échapper. Attends, répète-moi ça. Ah. Ça, j'aurais pu me dire plus tôt. C'est quel genre de piège? Disait que on était serré, mais on peut pas faire plus. Hein. Franchement, depuis tout à l'heure, c'est des petits espaces. Faut pas être claustrophobe. Hein. C'est ça, claustrophobe. Oh, oh, wow. What the fuck? Hop, oh mec. Ah, tu vas foutre quoi? Mange-toi ça! C'est ça le fameux piège! Allez, viens, 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 je t'attends! Viens, 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 viens! Viens, voilà, y'a quoi maintenant? Allez! Le mange ton piège! Ah! Attends! Attends, attends, attends! Attends, adieu! Hé hé hé! Est-ce que du coup je peux aller sur les côtés? Genre là, là, comme ça. Bah oui, je peux même le casser, je crois. Non, il y a quand même des trucs. C'est pas des trucs pour le casser, ça? Là, là. J'y vais pas. Ah non, ah non! Oh, oh là là! Oh, l'esquive qui me sauve! Incroyable! Du coup, on fait comment là? Hop, je l'active! Et let's go! Y'a un mec derrière! Y'a un mec derrière! Adieu! Il va mourir! Voilà, il est mort! J'ai entendu sa carcasse! C'est pas une carcasse, mais son corps explosé! Ah, on est en Sibérie ou quoi c'est... Ah bah oui, c'est vrai, on est dans les montagnes. Elias, j'y suis, je suis au point de contrôle. Bien, maintenant va à la fenêtre et dis-moi ce que Waouh, c'est grave stylé, hein. Ah, une vue d'enfer. Ouais mec, pour l'enfer, t'as pas tort. Une grosse tempête se prépare, t'as pas envie qu'elle te rattrape. Ouais, je vois ça. Je vois le hangar aussi. C'est notre porte de sortie. Ouais. J'ai fait pas mal de petits boulots là-bas. C'était il y a une éternité. Et tu vas la retrouver, cette fille, il faut juste s'en tenir au plan. Ce qui veut dire que tu dois ramener ton cul au dôme de l'habitat. Et comment je suis censé faire ça? Personne n'a dit que ça allait être facile. Mais je couvre tes arrières, crois-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaillais là-bas. On pourrait dire que je collectais des données de recherche. J'ai fait quelques enregistrements. Le logiciel que j'ai installé sur ton corps les déclenchera là-bas. Suis-les et t'arriveras au dôme. Et après? Je viendrai te chercher à la station de tram. T'inquiète pas. D'accord. Je te recontacte. Non. Tu pourras pas. Tu seras sous terre, mec. T'as
n'auras pas de signal avant d'arriver au dôme. Évidemment. Il y a autre chose que tu m'as pas dit? Écoute, tu devrais te manier, ok? Il devrait y avoir une trappe pas loin. Et bonne chance, Jacob. Ouais, toi aussi. Moi je dis... Je vous dis pas tous, gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettre plus que 2 balles là, ici. Non mais frérot, là, ça m'énerve ça, l'inventaire là. Tu peux rien prendre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 soins. Peut-être me mettre un soin. Ouais, vas-y, un soin. La fameuse trappe. On est parti. Direction le dôme. Habitat. Chapitre 3, 2, 2. Non. On s'en fout. On fait pas en fonction des chapitres. Ouais, mais c'est grave beau. Mais c'est un truc de ouf. T'es mal tous les tuyaux. Eh, c'est fou, en plus le jeu il tourne sur les anciennes consoles. Ça m'a choqué. Genre le dernier Need for Speed qui est pas ouf graphiquement, même techniquement, toi, bref, tout ce que tu veux. Il est full next gen. Il est pas sorti sur les anciennes consoles. Mais lui, oui. Je suis choqué. Enfin, pour moi, ça c'est de la next gen. Hein. Il est vraiment très beau. J'aimerais bien le voir sur les anciennes consoles quand même. Il est un peu dégueu. Hein. Bon, où est cet enregistreur? Dis-moi qu'il y a un achat, c'est augmenter la taille du sac à dos, c'est impossible. Enfin, du sac à dos, t'as compris quoi. Mais non, même pas. Comment on fait? Décodeur, ça se vend ça. Attends, je vais regarder juste dans l'inventaire, ça dit quoi décodeur? Des composants qui peuvent être vendus à une reforge, à un prix modéré. Ah bah, j'ai bien fait de le prendre au robot. Hein. Je peux même vendre des balles en fait, je suis en train de me dire. Mais oui, je peux vendre des balles, parce que j'en trouve plein. Je vends des balles, frérot. Voilà, on se fait de l'oseille, on est là pour faire de la moula. Augmente le potentiel de dégâts de l'arme en ajoutant un propulsif supplémentaire à toutes les munitions. Ah, c'est pas mal ça. 600. Pourquoi pas l'acheter, ouais. Et le gant, c'est la cible peut être gravement. Ouais, en fait, je vais pas le faire, ça. Ouais, je vais augmenter le gun parce que c'est le truc que je vais utiliser le plus. Sinon, brise le blocage. J'avais dit que je voulais, mais il coûte 800. Option indisponible. Ah, il faut que j'achète lui pour acheter lui. D'accord. Mission terminée. Voilà. Exécution. Passez une journée unique. Franchement, je les trouve généreux en munitions. Parce que t'as quand même l'arme de mêlée pour combattre, donc ils auraient pu en mettre un peu moins, je trouve. Ah, encore ? Oh là là. Ça, mais je suis quand même mort quelques fois. Allez, on descend. Je voulais que j'aille voir Gripsou. Je vais dans le puits, c'est ça. Hein? Comment par ici? Ouh, ça sent
Ça sent le fight là, non? Oh, wow. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou. Entrée 21. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou. Devenu fou le type. 21A. Entrée 21. J'ai finalement été transféré au traitement des déchets. C'est un vrai trou. Y a pas moyen que je déplace cette caisse. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois. Je me disais, ok, ça ouvre un accès. Mais est-ce que je peux pas aussi aller quelque part? Et la réponse est si. Bon, pour prendre des trucs que je peux pas prendre. Joli. Ah, bah tiens alors. Comme c'est étonnant. Putain. Je peux même récupérer un truc là au milieu. Ah voilà. Mais va te faire foutre avec ton inventaire plein. J'en ai marre. C'est quoi, je jette un soin, allez, bats les couilles. En parfait état. Ça me donnait de l'oseille. Limite envie de remonter à la forge. Bah oui, du coup, il y a un... Mais vas-y, il y avait tellement d'escaliers, la flemme. Et en plus, je crois qu'il y a l'échelle. Oh, il y a trop de chemin. Ça m'a saoulé. Wow. C'était quoi, ça? Je me disais, il est calme, cet épisode. L'autre, il était intense, là, c'est plus calme. Bon, ça m'arrange, mais... On va aller sous l'eau ou c'est comment? Ah, du caca. Il va y avoir des mecs qui vont sortir de l'eau, je le sens. De l'eau. Si on peut appeler ça de l'eau, hein. Ouais. Vas-y, hop. Merde là. Dégueulasse. Ah mec, besoin d'aide. J'arrive. Ah. Bah quelqu'un est venu t'aider, hein. Pas comme tu voulais, je pense, mais il a abrégé tes souffrances. C'est une forme d'aide. Tu trouves pas? Ah ouais. Ok, bah bon séjour, hein. Bravo. Et donc ce bruit. Quel est donc ce bruit? Oui, bonjour. 21C. Les gardes font leur relève. Faut que je me mette le tuyau qui mène au réservoir 6. Mais je vois pas d'accès. Je trouve un moyen d'y entrer.
voilà, et voilà. Mais Théma, tout ce que je loupe, frérot. De toute façon, je suis obligé de prendre un soin là. Ah. Mais non, je voulais prendre. Attends, j'ai vu qu'il y avait une entrée là. Hein. Ok. Mais vu que c'est la suite du niveau, je vais aller voir là-bas. Ah! Peut-être pas dit. Wesh! Hop! Ah, j'aurais pu le. Ouais, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu le jeter là contre le mur tout pique. Et du coup, il y a quoi ici? Ça monte! Je sais pas, en fait c'est ça le problème, je sais pas si je vais dans la suite du niveau ou si je vais dans un chemin alternatif. Bah, je crois que c'est un chemin alternatif, voilà. Ouais c'est ça, je reviens, ok. Ok, ok. Bon bah là ça me fait chier par contre. Est-ce que je peux tège? Mais j'ai envie de jeter des trucs là. J'ai envie de jeter ça. Tant pis hein. Faut faire des choix apparemment dans ce jeu. Ah j'avais pas vu. Il faut faire des choix, soit l'argent, soit les munitions. Serez-vous un rat? Tel est le dilemme de Callisto Protocol. J'ai une main. Et un bras. Il marche dessus, normal. Enfin, il rampe. Encore une main. On arrive dans les potes là. Fait ce bruit. Je vais aller vers la petite source de lumière. Hein. C'est rassurant le bleu. Ok, je l'ai vu passer. Fusible de pointe. Il est passé là-dedans. Encore un fusible. Et Bruno Vorenus. Maman. Alors. Ouais. Je. Casse-toi. Il y en a un autre là. Non ? Je vais utiliser le fusil à pompe parce que je l'ai pas testé depuis tout à l'heure. Attention hein. C'est moi. Je peux vous blesser. Tu veux quoi toi ? Tiens, tiens. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les criminels. Ouais, du coup, on le met où l'autre, le deuxième? À l'opposé, ici? Eh ouais, en douter. Voilà, la lumière soit. Par contre, j'ai pas vu le mec qui m'a chopé. Je l'ai pas tué celui-là. 98.
suivre ce tuyau rouge. Hop. Alors, il continue le tuyau rouge, mais il y a une petite entrée ici. Le curieux que je suis va s'y aventurer. Je vais tomber sur un truc, frérot, ça va pas me plaire. Jamais s'aventurer ailleurs. Ça se trouve, c'était le retour. Ouais, ça se trouve, c'est le retour. Je suis en train de faire un... Voilà, je me suis fait baiser, c'était le retour. Non ? Ah non, c'est des réserves. Ah ! Réduction spéciale pour les Ganyméiens. Scannez simplement votre puce. Wesh, c'est quoi ça ? Bah, c'est qui m'a parlé là? Qui m'a parlé? Qui veut mon argent? J'ai entendu réduction et tout machin là. Y'a des promos? Scannez votre pulse. Et oui, c'est ça. Oh, mais t'es même pas payé, wesh. C'est nul. Tant de munitions gâchées, putain. Non, mais jure, on peut rien faire avec ça, là. Ça me fait chier. Regarde, en parfait état. Mais non, je peux pas, je suis obligé encore de tester des munitions. Ce sera des munitions de gun. Oh, 11 balles, mais qui fait ça dans un survival aurore? Personne. T'as vu, et là j'ai besoin de reforge, il y en a 0. Alors il y en avait deux côte à côte. N'importe quoi. On est fou la haine. Fallait acheter l'édition collector pour avoir plus d'espace ou quoi là, c'est trop demandé. Je jure que oui en plus, il y a moyen. Ils ont mis ça en bonus de précommande là. Un bonus d'édition de luxe. Vous avez une place supplémentaire dans l'inventaire. Hop. Ouais. On parlera contenu bonus tout à l'heure. Hein. Moi je vais dans les lits comme ça. Ah ouais. Ah, ah. Je m'en fous, je l'ai eu avant. Emma, y'a quoi encore? Frérot, mune sur mune. Ça c'est quoi? C'est de la santé? Mais je suis choqué, c'est quoi ça? C'est rien. J'aime pas les cocons. On sort de là, là. Grosse merde. Je sais que t'es là. T'étais dans l'eau il y a 2 secondes. Vraiment? Y'a personne? Mais ça? Après, ça me fait chier de laisser des munitions comme ça là. Fends le cœur. Me fend le cœur de munitions. J'aurais tout ramassé depuis le début, je serais une armurerie sur pattes. C'est déverrouillé ici. Et il y a des petites étapes. Ah bah voilà. Putain. Oh là là, toi, vraiment. En parfait état, ça donne que 200. T'es sérieux là? J'ai l'impression qu'il y a d'autres emplacements, on est d'accord. Mais pourquoi il veut pas les utiliser alors? Il est con ce gars.
Je suis à 825, je peux avoir la... Ah, c'est 1800 les balles explosives comme ça, ouais. J'ai envie d'acheter ça, mais c'est 900, j'y suis pas encore. À la limite, 2 secondes, y a pas... Attends, ça m'amène où cette histoire? Ah oui, ça me ramène ici. Ah bah, je peux aller chercher les munitions. Fameuse. Wesh, avance! Ça, ça s'ouvre là, d'accord, non? Le tuyau rouge. Ah non, ça marche même pas. Il y a peut-être un truc à faire. Hein. Je vais récupérer les petites mines. Mon frérot. Il n'y avait que ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Là-bas, là, non? Voilà. Ne nous aventurons pas trop loin non plus. Hein. Alors, on va revendre. Impression UJC à votre service. On va revendre, bah les... Voilà, je suis à 900, c'est bon. Et du coup, je peux m'acheter le blocage cassant. Qui n'est peut-être pas un bon investissement, mais je suis quand même mieux les armes à feu. Je vous remercie de votre productivité. Corps à corps, ça implique que je sois à côté du gars, donc plus de danger. Hein. L'arme à feu, c'est... J'ai la marge. Et puis voilà. Très bien. Et bon, on continue. Ah, c'est quoi ça? Sortez de là! Mais c'est quoi ça? Laissez-moi tranquille! Bah du coup ça marche plus. Ils vont tout niquer. Comment je fais maintenant? C'était pour faire quoi ça? Ah, est-ce que c'était pas pour le fameux là? Est-ce que c'est pas là? Eh si! Eh oui! Ah oui, je savais que c'était là. J'ai même pas fait gaffe. Là j'ai vendu des mines, commencez pas à me donner du soin. J'entends quelqu'un derrière moi. Quoi? What the fuck, man! Putain, j'ai plus de vie là. Oh. Oh. Merci. Je suis un petit peu trop brutal là. Je me sens pousser des ailes. Maintenant que j'ai mes améliorations, corps à corps, tout ça. Vous avez vu là, j'ai foncé dans le tas, mais. J'avais oublié qu'il y a un type d'ennemi qui crache du poison là. Truc bizarre. Est-ce qu'on a de beau là-dedans, pardon?
Putain, oh merde. Hein? Il s'est passé quoi là? Mais non, ça se casse genre. MDR. MDR, les boîtes de... Mais frère, il vient de se passer quoi là? Les mecs ont littéralement disparu devant moi. Bon bah, tant mieux hein. Ça fait mes affaires. J'ai pas compris. Ah, il faut un fusible. Putain, mais dis pas que c'est un mec qui l'avait. Je suis dans la merde. Qui a un fusible hein? Attends, il y a en haut. Il y a en haut, c'est tout. Il n'y a pas de grand. J'ai pas compris, hein. Ah bah, le vlin. Je les maîtrise les mecs maintenant. On se balade tranquille. Au calme, au calme. Niveau 3, lui. Merde. Ah, je rigole. Enfin, mec derrière. Je l'ai entendu courir. Ça, par contre, on va mourir. Hein. T'as plus de tête, frérot. Moi, je comprendrai jamais là. Ça, c'est... Et ouais, encore du sang, mon gars. Là. Alors attends, il y a ici, mais en même temps j'ai envie d'aller voir là-bas moi. Mais de toute façon c'est verrouillé. Mais c'est verrouillé, mais parce que là du coup qu'est-ce que je vais faire là? Alors, je vais quand même vérifier. Moi je suis un petit curieux. D'être la suite. Hein. On va rester là. Numéro 6. Entrée 21. Je pense avoir trouvé un moyen d'atteindre le dôme. Va falloir vider le réservoir. Ouais. Puis il faudra grimper à l'échelle pour atteindre la trappe. Elias, t'as fini? Ah bah voilà. On est bien d'accord. Oui, monsieur. Juste un instant. Ok, mais faut d'abord que je chope le code de la console. Tenir le code du garde. Accès refusé. Où ce garde à la con? Je devrais chercher ce garde. Alors un garde. Il y a plein de portes. Ah ouais d'accord, ça va être un dédale en fait, si j'ai bien compris. Genre le garde n'est pas à proximité, il est perdu. Par là. C'est un labyrinthe votre truc. La mort arrive. Pour lui, elle est déjà venue. Oh, vous êtes pas drôle. Oh, vous êtes pas drôle. Et ça, je m'en fous, ça.
En vrai, ça me casse les couilles. Ça, ça donne que 100. Limite, c'est mieux de ramasser des balles. Peut-être le soin aussi, j'ai même pas vu combien ça rapportait de vendre un soin. Ah. Je ferai toujours ce petit cri de jouissance en me mettant un soin. Le garde, le garde. Et le gardien. Ah. Impression UJC, passer une journée unie. Ah, ça donne 100 un soin. Limite, tu sais quoi, voilà. Ah, je vais me faire masse d'oseille là, les gars. J'annonce, regarde, je prends toutes les mines de la zone, je revends tout. Démarre, je viens de trouver un glitch d'argent. Non, pas un glitch, mais en gros, tu vois. Vends tout quoi. Tu vides la zone, tu revends tout. Oula, oula là là. Bah, j'ai pas très envie hein. Ouais bah non, alors attends. Voilà. Voilà. What déjà? Tu te fous ma gueule ou quoi? Il se fout de ma gueule ce jeu. Attends, c'est une munition là? Lâche-moi ça, lâche-moi ça. Une munition, t'es sérieux là? Hop, ça. Tu reviens ici, tu revends tout. Impression UJC. Moi l'oseille. C'est une journée unie. Alors je revends un soin. Ah la bobine, ça vaut que 10. Ah, c'est pas rentable ça. Je revends 8 balles de pompe. Voilà frérot. Et limite si j'en retrouve là je reviens ici quoi. À la fin de cet épisode je suis riche. Pauvre. Salut mec, c'est pas toi le garde. Alors c'est qui ça? Les tentacules explosés feront muter les ennemis. Comment ça? Comment ça? Comment ça frérot? Comment ça? Tu dégages! Tu me laisses tranquille! Ben voilà. Les tentacules et mutation. Les tentacules explosés vous avertissent que l'ennemi est sur le point de muter en une forme plus puissante. Les ennemis mutés ont plus de santé et leurs attaques sont plus puissantes. Tirez sur les tentacules exposés pour rapidement tuer l'ennemi. Piétinez les ennemis au sol pour les empêcher de muter davantage. Ah ouais, on arrive dans... Voilà. Là, je vais avoir moins de munitions, je pense, avec des mecs comme ça. Là, j'aime bien, là. Tiens, le garde. Shoot the tentacle. Ça veut dire... Tire sur les tentacles. Got it. Ils ont pas traduit ça. Il parle en anglais, en français, il est bilingue. C'est ça que c'est. On a un personnage bilingue. Et du coup, ça nous ramène. Ah bah, je vais aller revendre des trucs. Allez hop. Ici, eh oui. Veuillez effectuer une sélection. J'ai jamais autant vendu de trucs. Voilà. Du coup, je suis sorti de là. Donc on remonte. Ce qui nous donne. Bonjour messieurs. Ils m'ont vu ? Ils m'ont vu ! À quel moment ? Ah !
claquer encore un soin là. Le combat est très dynamique dans ce jeu. Hein. Voilà. Hein. Ah là-bas, il y a pas mal de petits trucs là. Laisse donc. Okay. Mais ça me dit pas, il y avait quoi là-bas. Hein. Parce que la suite du niveau, ça sera ça. Donc je vais aller voir derrière, moi ça m'intrigue. Je suis quelqu'un de curieux. J'espère que vous m'en voulez pas. Hein. Mais je sens un truc là-bas. Là. Je sais pas. C'est quoi ? Je sens la merde en fait. Pourquoi je suis venu là moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, regarde, il y a un fusible. Oh, qu'est-ce que je fais avec le fusible ? Je m'empêche de. Attends, là, je me suis mis dans la merde, là, en fait. Analyse de l'eau. Je dis pas que c'est la suite, hein, quand même. Ah, regarde. Je se régale. J'ai mal tout ce que j'ai. Des combinaisons, ouais, et donc. Déverrouillé, ok, il y a encore ça. Miam, miam. Et je ne peux pas ouvrir celui du milieu. Ok, la suite. Des mains. Regarde, je vais peut-être trouver un gun. Regarde tous les crédits, frérot. C'est trop bien. J'ai eu raison de venir là. Regarde. Et bah, je vais encore gueuler parce que j'ai peu de place dans 2 secondes là. Voilà, des audios, c'est un carnage. Hop, voilà. Attends, c'est pas un pénis ça, on sait jamais. Burk. La tête du gars, et voilà, un coffre. Oh là là, quoi. Je vais râler. Je me connais là, je sens que je vais rien pouvoir prendre. Ah, attends, c'est quoi ça? Dis-moi. Munition pour le canon, non ça va, c'est que des mines. Voilà, c'était ça. Bah, c'était sympa hein, quand même. Hein. Ça régale. Hein. Comment ça, verrouiller? Ah oui, ça... Dépressurisation ou décontamination, je sais pas. Ouais. Par là y'a rien. Okay. Bon bah j'ai bien fait en vrai, tu vois c'est un petit endroit optionnel qui rapporte pas mal d'argent. Et du coup là j'ai vu il y a une porte qui est verrouillée. Est-ce que elle est Ah non elle est verrouillée. Attends, y'a un mec là, on est d'accord. Wesh. Deux secondes mon ami. Hop. Voilà. Inventaire plein évidemment. Franchement c'était cool. Et puis bah je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode il est quand même un peu long hein, je vois. Et de toute façon. Bah ça me paraît être le bon moment pour s'arrêter puisque je dois aller remonter cette échelle. Éventuellement je vais juste valider. J'espère qu'il va rien se passer de bizarre parce que sinon je suis dans la merde. Mais normalement on est bon pour s'arrêter là. C'est parti. Voilà. Pas assez de merde, j'aurais pas dû. Cycle de purge en cours. J'aurais pas dû. Qu'est-ce que. Dans quelle merde je me suis mis, les gars. Oh, ça va être mon premier boss. Hein. Oh là là. Attention, anomalie et oh, c'est des mecs invisibles. What?
What? C'est qui ces gars? Il est mort. Ok, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, il est invisible, il est pas. Il est là-haut. Il y en a d'autres. Attention. Là-haut. Attention. Où? Attention. Là. Oh yes. C'est à la OS là. Limite. Ouais. Un boss, ça, c'est tranquille. C'est bon. Drainage de l'eau, voilà, c'est terminé. Il y en a plus là. Cycle de purge terminé. Voilà. Trappe d'accès ouverte. Activé. Oh, ça va. Ça, c'est quoi ces ennemis? Ils sont gentils. Attends, il a dit trappe d'accès. Quelle trappe d'accès? Qu'est-ce que tu me racontes? Quelle trappe d'accès? Ah, ça là? Et voilà. Ça descend par le Saint-Esprit. Là. Et ben, ça aurait été un long épisode, les amis. Un peu plus calme que les autres. Bon, il y a quand même eu de l'action, moi je dis pas qu'on s'est fait chier, hein, mais. Mais après, c'est peut-être parce que je maîtrise un peu plus le jeu, tu vois. Il y a un peu de ça. Et hop. Ah, ah merde! Salut! Vite, vite, vite! Tu pourras plus de pougnette. Trappe fermée, vérification de la pression. Allez, salut! On va s'arrêter ici. Pour ce troisième épisode, les amis, il y a un long couloir qui m'attend devant moi. Est-ce qu'il y a des ennemis qui vont popper sur la route, qui vont sortir de nulle part? Est-ce qu'il va y avoir une vague d'eau là, qui va m'arriver dans la gueule? Il y a grave moyen, je le sens bien. Ouais, il y a grave moyen que je me prenne un truc d'eau parce que les égouts, voilà, on a filtré l'eau là. Il va se passer une dinguerie, je le sens. Je vous laisse mettre des pouces bleus, tout ça, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite pour le quatrième épisode. Portez-vous bien, tchuss.